10 ans en arrière. Ça, c'est moi et Renzo. Nous étions comme des frères. Nos mères étaient veuves. Renzo était comme un frère pour moi. Jusqu'au jour où ma mère et moi devions partir à l'autre bout de la France pour son nouveau travail. Je me souviens avoir vécu ça comme une deuxième séparation. Bien. Franchement, une bonne soirée, hein. Demande à Kevin. Oh, t'as passé une bonne soirée, Kevin. Oh, les gars, c'est pas Youssef, ça là-bas? Ah, Youssef, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais là? Là, j'arrive de Marseille, mon frérot. Ça va, frérot? Ça va, toi? Tranquille, toi? Tranquille. Ça va? Ouais. Alors, toi, tout le temps? Ça va ou quoi, les frérots? Ça va, frérot, quoi? La forme? Tranquille. T'as grandi, toi? T'es habillé, toi? Ouais, t'as vu? Ça va ou quoi, les gars? Tranquille. Ça va? Ça va ou quoi? Alors, tu racontes quoi? Là, je rentre de Marseille, là. Ah ouais? Ouais, ça fait 15 ans. Hein. Alors, t'as travaillé un peu à Marseille? Non, j'ai pas travaillé, que des petits. T'étais où? T'étais au quartier, non? Ouais, par là, deux, trois trucs. T'as une petite femme, non? Ouais. Non, non, frérot, non. Je connais les femmes. Ouais, toujours les affaires. Le vice de l'homme, c'est la femme. Ouais, et votre mère, Cataléa, alors? Comment ça va? Bien, on va en parler. Ma mère, ça va pas. Cataléa? Quoi? Elle a un problème au Cataléa, la mère de Renzo, atteinte d'un problème au cœur, nous attendions les résultats des analyses faites par le médecin de la famille. €350 000 pour trouver un cœur et la sortir de ce lit de mort. Et nous avions qu'une vingtaine de jours pour trouver cette somme. À ce moment-là, je me suis demandé jusqu'où cette affaire nous amènerait. Et surtout, est-ce que j'étais capable d'en assumer les conséquences?
français, tu vas pas y croire. C'est par rapport à ce qui vient de se passer. Il faudra te rentrer dans la voiture.